Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors ma première vidéo sur cette chaîne, c'est donc un tag de présentation que je réalise. Je reprends donc le tag de Enjoy Song Forever. C'est ma chatte que vous venez de voir, voilà. Je vais répondre à une trentaine de questions pour que vous appreniez mieux à me connaître. Tout simplement, je vous dis qu'au fur et à mesure de mes autres vidéos sur ma chaîne, vous en apprendrez encore bien plus sur moi. Donc voilà, je m'appelle Nathanaël, j'en ai un tas. Plus commun, c'est Nat, Nata, Nati, TN et d'autres bazars. Voilà, vous pouvez m'appeler comme vous voulez. Je viens d'avoir 19 ans, juste une semaine j'ai eu 19 ans. Je suis belge, et concernant les origines, je veux dire pays, côté des parents, je suis pas 100% belge, ça c'est sûr, mais maintenant de là à venir dire, j'en ai aucune idée en fait. Maman me dit que mon arrière-grand-mère aurait des origines autrichiennes, et papa me dit que du côté de sa famille, il viendrait d'Alsace, enfin je sais pas trop, enfin voilà, je veux dire, dans mes origines, voilà, je suis un humain, je viens de la Terre. Je suis en première année d'université. Bonne question. Je crois que je mesure 1m74. C'est pas sûr, parce que ça fait longtemps que je me suis plus mesuré et pesé par la même occasion. Je profite de me mesurer et de me peser quand je vais aux visites médicales ou chez le médecin pour une visite de routine. Ça fait longtemps que j'ai plus été. J'ai un petit frère qui va avoir 14 ans en août et que j'adore et que j'embrasse. Vous avez vu ma chatte, je peux encore vous la montrer si vous voulez. Elle est toute jolie. Elle s'appelle Mimosa, voilà. Elle est belle, hein. Non, non, pas par là, pas par là, pas par là, par là. Voilà. Je ne sais pas du tout quel âge elle a, mais elle doit avoir... 10 ans. Je l'ai dit, j'habite en Belgique, dans le sud de la Belgique. Allez, à 30 minutes de Bruxelles. Et quarantaine de minutes de la frontière française. C'est vrai que ça va vous aider à mieux me connaître. Je chose entre du 43 et du 44. Non, je n'en ai pas. Non. Je suis gaucher. En fait, c'est des questions plus spécialement pour les filles. Mais en fait, j'ai pas trouvé de... Parce que j'ai d'abord essayé de trouver des youtubeurs. J'en ai pas vraiment trouvé qui faisait des tags de présentation, donc j'ai repris celui-là, d'Enjoy Song Forever, qui est une fille. Donc évidemment, certaines questions, c'est des questions plus axées pour les filles, c'est normal. Mais bon, c'est pas grave, hein. Je peux vous dire, mon type de cheveux, il est souvent sec et rêche. Et ce qui est bien avec mes cheveux, c'est que je peux faire n'importe quoi avec, ils reviennent tout le temps à la même position. Mèche. Ensuite, la couleur de mes cheveux... Ça varie. Disons que en été ils sont blonds et le reste de l'année ils sont, j'ai pas dit bruns mais châtains, châtains. Le Bordeaux. J'aime beaucoup le Bordeaux. C'est une bonne question. Je dirais plutôt. En fait, dans le noir, quand je vois du noir. J'ai tendance à ne penser à rien, à faire le vide dans mon esprit. Alors quand je vois du blanc, c'est tout à fait l'inverse, j'ai une foule d'idées qui me vient en tête. Comme je préfère avoir une foule d'idées qui me viennent en tête, je vais dire blanc. J'aime le théâtre, j'adore le théâtre. J'aime faire des vidéos sur YouTube, parce que c'est pas ma seule chaîne sur YouTube, j'en ai d'autres. Vous pouvez voir dans les descriptions de la chaîne, j'ai au moins 4 autres chaînes. J'aime aussi la musique, chanter même si je chante faux. Composer, j'aime dessiner aussi, j'aime beaucoup lire. En fait j'aime tout ce qui touche à l'artistique, j'aime aussi prendre des photos, pas avec du matos de professionnel, mais avec un bête petit appareil photo, j'aime beaucoup prendre des photos, après les retoucher et après les poster. Voilà, grosso modo, j'aime bien manger, j'adore manger, enfin c'est pas vraiment considéré comme une passion, mais j'aime bien manger.
Je n'en ai pas là sous la main vraiment de film préféré. Bon, je peux vous dire que dernièrement j'ai été voir au cinéma Gatsby le Magnifique. J'ai beaucoup aimé le film, l'histoire en lui-même, en elle-même, pardon, j'ai beaucoup aimé. Réussir mon année. Oui, parce que j'ai des examens de passage. J'ai 8 examens de passage, ce qui fait pas mal. J'en ai réussi 4, hein, c'est déjà ça, mais 8 examens de passage, je suis vraiment très déçu de moi. J'aime pas être déçu de moi, et là j'ai 8 examens de passage. Alors vraiment, mes résolutions, là, ma résolution première ici, c'est réussir mes 8 examens pour passer en bac 2. Bon, bah, c'est pas un pseudo, c'est Nathanaël Thierry. Bon, bah, vous avez mon prénom et mon nom de famille, hein, voilà. Ça, je vous cache rien, vous savez qui je suis. Je crois que j'ai des tics de langage et ça m'énerve beaucoup. Voilà, donc, voilà, des tics de langage. Maintenant, au niveau corporel, je ne sais pas. Enfin, c'est compliqué à dire. C'est compliqué de cerner en fait ces mauvaises habitudes. Comme ces bonnes habitudes, c'est aussi difficile à cerner. Enfin, quand je me vois là, je veux dire, oh, je me suis passé la main dans les cheveux, c'est peut-être une mauvaise habitude, je sais pas. Du moment que c'est pas gênant, je vais pas dire que c'est une mauvaise habitude. Maintenant, me ronger les ongles, ça m'arrive par exemple de me ronger les ongles, mais ça ne devient pas obsessionnel. Donc, mauvaise habitude, je sais pas. J'en ai sûrement, mais je crois que c'est aux autres de me le dire. Donc, si vous avez remarqué une mauvaise habitude que j'ai, mettez-le-moi en commentaire, sans être méchant, ce serait sympa. Rose. Rose. J'adore la glace à la rose. En fait, j'adore tout ce qui est à la rose. Soit la confiture de rose, ou le thé à la rose. J'ai pas de chanson préférée. Du moment que ce soit une chanson qui me plaise à la première écoute, qui est un texte qui me fasse réfléchir, et à chaque fois que je réécoute la chanson, que je redécouvre le texte d'une autre façon. Ça, c'est une chanson qui peut devenir ma chanson préférée. Je n'en ai pas. C'est avec le même principe que la chanson. Dire, voilà. Puis ça peut très bien changer, ça peut être très bien une époque. Ah, j'adore cette chanteur, chanteuse là, donc voilà. Et puis ça peut changer. Donc, non, je vais pas dire que j'en ai. J'aime beaucoup les pâtes. L'eau, ça passe partout, l'eau, j'aime boire de l'eau. En Belgique, on a la Spa. Je sais pas si vous connaissez en France par exemple, mais la Spa, c'est une eau qui a du caractère et c'est ce que j'aime beaucoup. Elle a un goût de fer. Mais j'adore, j'adore. En fait, j'ai une amie. Lauren de Lola Taification, qui fait déjà des vidéos, enfin que j'ai rencontré sur YouTube et qui fait des vidéos de ce type, c'est-à-dire des vidéos où elle parle de sa vie, hein, elle fait des tags, etc. Et j'ai voulu moi aussi faire ce genre de vidéos pour plus parler de moi, parce qu'il est vrai que dans les autres chaînes, en fait, je fais des vidéos plus à caractère humoristique où je ne parle pas de moi spécifiquement. Donc j'ai voulu vraiment créer cette chaîne pour parler de moi, tout simplement. Moi je dirais, je vais partager d'abord cet argent avec ma famille, ce qui est normal. Et ensuite, pour le reste de l'argent, j'aimerais bien me lancer dans une carrière musicale. Voilà. Ou un bon petit voyage, ce serait bien aussi. C'est une bonne question, je réfléchis pas à ça quand je dors, je dors. Je peux dormir sur le dos, comme je peux dormir sur le ventre, comme je peux dormir à gauche ou à droite. J'ai pas réfléchi à ça. Hein. Aux États-Unis. En Floride, parce qu'il fait chaud, et qu'ici en Belgique il pleut tout le temps et que ça m'énerve et que j'adore la Floride. Je suis désolé si je parle beaucoup, mais je suis emballé et j'avais envie de raconter ma vie. Non, j'ai pas vraiment raconté ma vie, pas encore, donc voilà. J'essaierai de faire pas mal de vidéos, même ici si je vous ai expliqué, j'ai des examens de passage, mais je vous tiens au courant, je vous fais plein de bisous. Merci de vous abonner à ma chaîne, de me dire ce que vous pensez. De me donner des conseils ou des critiques, enfin tout est à prendre. Du moment que vous ne soyez pas méchant, je prends. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.